les gars, c'est déjà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur FIFA 15. Un petit squad builder avec une équipe française. Une très très bonne équipe française qui vaut un peu moins de 20 000 crédits. Donc on va commencer tout de suite. 20 000 crédits pour commencer le jeu, je pense que c'est potable. Les 20 000 crédits en jouant, on peut vite les avoir. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec le goal. Un goal basique. Hein, Steve Mandanda. Très très bon sur FIFA 14, FIFA 15, excusez-moi. Très très bon, il a les stats après. Voilà, il suffit amplement pour un début du jeu. Donc voilà. En défenseur central, on va mettre Raphaël Varane. Par contre, il y a le contrat, c'est pas grave. Raphaël Varane avec Jérémy Mathieu qui est aussi très très bon, qui est 80 sur ce jeu. Pas très grosse vitesse, mais bon, pour un défenseur central, ça suffit largement. Varane avec qui gère la baraque avec Jérémy Mathieu, donc ça va. Franchement, c'est nickel. En défenseur gauche, Konko, qui est super bon. 86 de vitesse, très très bon. 4 étoiles de mauvais pied. Assez grand, 1m84. Donc voilà, et Varane qui sont assez grands aussi avec Jérémy Mathieu. Donc voilà. En défenseur gauche, Digne qui est aussi très très bon. 90 de vitesse, bon, il est pas hors rare. Mais il suffit largement, donc voilà. Une défense assez solide qui gère bien, quoi, voilà. En milieu défensif, on a Blaise Matuidi qui vaut pas cher non plus. J'ai acheté pour 6000 crédits, encore c'est le début du jeu, donc il coûtera largement moins cher. Avec un rendement de joueur élevé, donc il vient souvent en attaque, tout ça. Donc plutôt pas mal. Très très bon, une bonne frappe. Donc voilà. En milieu droit, je pense que vous savez qui je vais mettre. 5 étoiles geste technique, Atem Ben Arfa. Très très bon comme tout sur les FIFA, comme sur tous les FIFA. 5 étoiles, 80 de vitesse, 85 de dribble. Il est rapide. Acheté 2300 crédits, donc voilà. Très très bon joueur. En MOC, on met Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui est aussi bon sur ce jeu. En plus 4 étoiles, donc ça va. Élevé en rendement, élevé moyen, donc ça va, c'est potable. Voilà, on relie à ça Alexandrini, 91 de vitesse. Il est effectivement très très bon aussi. Avec 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Donc, c'est pas une grosse équipe skill, mais 4 étoiles. Je crois qu'il y a un joueur 5 étoiles et 4 joueurs 4 étoiles. Donc, ça suffit amplement pour skill, surtout au début d'un jeu où vous pouvez facilement skiller. Donc voilà, à part si les gens jouent leur vie pour avoir du crédit, quoi. Et on relie à ça Lacazette qui est super bon sur ce jeu, les gars. J'adore. Vraiment, vraiment bon. Donc voilà, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles mauvais pied. Donc très très bon, 87 de vitesse. Il a 77 de tir, mais franchement, on dirait qu'il a plus. Il est vraiment excellent. Donc voilà. J'ai déjà joué 2 parties, j'ai mis 3 buts. Donc, il est vraiment excellent. On relie à ça Olivier Giroud. Bon, après, il y a Olivier Giroud. Vous pouvez mettre Olivier Giroud ou. Comment il s'appelle j'ai plus le nom. Ouais, j'ai oublié. C'est pas grave. Mais il est très bon. Mais je pense que. Ah oui, voilà. Je pense qu'à la place, il faudrait mettre Jérémy Ménez. Je pense que c'est ce que je ferais. Donc, voilà. Mais sinon, très très bon. 1m92 de la tête, excellent. 82 de physique, ça c'est bien. Par contre, au niveau vitesse, bah, il est un peu lourd, le mec. Bon, ça va. 1400 crédits, c'est encore dans les prix. Donc voilà, tous les joueurs coûtent à peu près moins de 2000 crédits, moins de 3000 crédits. À part Blaise Matuidi qui coûte 6000. Encore, je crois que je l'ai payé cher. Donc voilà, Varane 4000. Ouais, mais voilà, c'est en dessous de 20 000 crédits, je crois. Donc très très bonne équipe pour le début. Je sais pas si je l'ai dit, c'est en 4-1-2-1-2. Bon, après, vous voyez. Hein. Si vous, ouais, vous voyez, quoi. Donc voilà. Sur ce, les gars, j'espère que ce squad builder vous aura plu. J'en ferai sûrement un avec une autre équipe un peu plus chère dès que j'aurai fait pas mal d'achats-reventes. Donc voilà. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo FIFA 15 vous aura plu. Allez, les gars, ciao.